Salut, salut tout le monde! J'espère que ça va bien. Re-bienvenue sur notre chaîne YouTube. Re-bienvenue. Donc, aujourd'hui, on a décidé de faire le fameux challenge. Ça fait longtemps que tu m'en parles, ça. Ah oui, ça fait vraiment longtemps. Ouais. La première vidéo que j'ai vue de ce challenge-là, j'ai vraiment... Ouais. Je voulais la faire. Je savais que c'était un genre de challenge que je voulais faire. Mm-hmm. Dans le fond, on commande ce que la personne avant nous a commandé sans savoir c'est quoi. C'est ça. Mais... on a tellement, tellement ressenti une vague d'amour, c'est ça qu'on se disait, de nos dernières vidéos. Ouais. Que vous nous avez tellement envoyé beaucoup d'amour qu'on a eu le goût de partager cet amour-là. On en a tellement reçu, je trouve, ces derniers temps. C'est fou, là. Tellement, c'est genre... On est tellement chanceux. C'est débile. C'est wow. Parce que moi, on croit, on est deux personnes qui croient que dans la vie, il faut être énormément reconnaissant de ce qu'on a. Mm. Des fois, la vie nous apporte des problèmes, mais il faut pas se focusser sur ça. Il faut focusser sur les belles choses que la vie nous amène. Mm. Et la vie nous a apporté beaucoup de belles choses. On est des personnes chanceuses. Puis, comme je l'ai dit, c'est ça. On a vraiment le goût de repartager ce... Ouais. On a tellement reçu qu'on a le goût de redonner. Focusser sur le positif. Ouais, c'est ça. Donc on tout a ça tellement... pour dire que... C'est ça, on a oublié de dire. On a tellement eu... une énorme vague d'amour, on a voulu partager cet amour-là, donc on a décidé de payer non seulement au véhicule qui est en arrière de nous leur commande, on paye la commande à toutes les autos qui sont en arrière de nous. Donc s'il y a 10 autos en arrière de nous, on va payer aux 10 autos. Donc on va faire ça pour 24 heures, dans le fond, matin, midi, soir, là, les trois repas. Comme plus 12 heures. Donc je pense qu'on va aller au McDonald's, le premier stop. Ouais, moi j'ai pas encore déjeuné. On va-tu chez Tim pour commencer? Tim, parfait. Je sais pas, on fait quoi, mettons? T'as goût de quoi, mettons, là? C'est toi qui décide, là. C'est toi qui décide de ce qu'on mange. N'importe quoi. Qu'est-ce que t'as des goûts? Je sais pas, parce que dans le fond, elle mange. Dans le fond, on saura pas ce qu'on va prendre. C'est juste que, mettons, t'es plus dans le goût de... Peu importe, ça me dérange pas. C'est des restos que j'aime. Ben, l'affaire, c'est que j'aime mieux les dîners chez McDo que de chez Tim. Fait que j'aime mieux déjeuner chez Tim. Mais là, il faut qu'on aille du monde en arrière, puis pas juste une auto. Ouais, idéalement. J'attends quoi? On va attendre. Ben, c'est niaiseux, je suis nerveux. Je suis full nerveux, c'est niaiseux. En plus, Evan, il est full picky eater. Genre, il est vraiment difficile. T'es full difficile. Ouais, très, ça va être crampant. Très difficile. C'est mes repas sont simples. Ah! Une bébête qui est rentrée dans l'auto. Hein? Mais non, c'est des mousses. Non, c'est une bébête. Je te dis. Ah ben oui! Ok! Ah! Voyons! Hey, je suis nerveuse! Oh, y a du monde en masse, là, on a arrêté correct. Ok, on y va! Nerveux, moi, de dire à la personne au micro, je vais prendre qu'est-ce qu'on a commandé avant nous. Ouais, je sais. Je suis comme gêné de dire ça. Ça va être drôle. Fait que là, en avant, sont deux. Attends, je sais. Fait que là, on va vraiment le repas. Ici, on va attendre ici, avant d'arriver au micro. Ça sera comme si on décide au pire qu'est-ce qu'on prend, tu comprends? Là, en avant, ils sont deux. On devrait être... Parce que là, j'ai vraiment faim, moi. J'ai pas encore déjeuné. T'as faim, toi aussi? Ça a pas de bon sens. On dirait que j'étais en train de m'auto-digérer, genre. Là, ils sont deux dans l'auto d'en avant. Fait que on devrait avoir assez de nourriture pour nous deux. Je me demande qu'est-ce qu'ils ont pris. Ils sont deux. Bonjour, votre commande? Oui, dans le fond, ma commande, ça va être la même commande que la personne qui vient de commander. Mais je veux pas savoir c'est quoi. Parfait, vous allez pas avancer. Merci. Faut que tu payes pour l'autre en arrière. Ah, aussi, je vais payer pour ceux qui sont en arrière de moi. Pardon? Non, je vais vous leur dire tantôt. Ok. C'est bon. Je peux y dire rendu là? Tu penses parce que les autos, il y a deux autos en arrière, faut que tu payes pour les deux. Je sais, mais c'est parce qu'il faut qu'ils commandent les autres avant, non? Faut que je vais payer pour ceux qui ont commandé. Tu vas attendre là. C'est ça? Oh, mais tu comprends? Je dis pas là que je vais payer pour le monde. Il y a personne qui a commandé encore. Ouais. Okay. Ils sont deux. Je suis super nerveux. Tu sais, j'ai vécu des affaires payées que ça, puis je suis plus nerveux pour ça. C'est bien con. Oh my god. Là, il y a deux autos en arrière de nous. Faut vraiment que tu le dises, hein. Faut pas l'oublier. Puis, ils sont deux dans le camion en avant. Ils sont deux dans le camion en avant. Donc, ils ont pris quelque chose de glacé. Un genre de glaçon glacé. Cappuccino glace au caramel, pitié. Oh, tu dis que tu payes pour tout le monde. Oui, je vais leur dire, inquiète-toi pas. Ok. Je me demande bien qu'est-ce qu'on va voir. 9 piastres pour moi, là, juste de sucre à boire.
C'est pas trop énorme ce challenge. Mais ben, j'espère que ça va pas te faire vomir. T'as des nausées, c'est pas ah! On a de quoi avoir, de quoi manger. Sûr? Avec sûr. Des films vite, ok? Un yogourt. Un yogourt. T'as rien pris à boire? Oh, Colin, j'ai soif. Un yoga, ah ouais. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Ben des sous-yoga. Ok. Ben des ok, ok, là, bon. Des timbits, une sandwich, puis un yoga. Ils ont rien pris à boire. Ils ont rien pris à boire. Bon, D1, moi je suis allergique aux framboises. Il y a plein de framboises dedans. Fait que si je veux être capable de finir la journée. C'est quoi ça? Si un wrap au poulet. Ah, ça je prends ça. Ça c'est moi. Ça je prends ça. Ok, je vais me partir, on va manger ça. Ici. Attends, je vais me partir. Moi je vais prendre les timbits. Les timbits, ouais, ont-tu pris des sélections spéciales ou bien c'est varié? On va regarder. C'est genre un wrap avec du poulet dedans. Ça, c'est bon. Hey, mais là, j'ai soif. Ils ont rien pris à boire, ils ont pris un yogourt. T'as pas soif, toi? Hey, j'ai soif. Tiens. Puis un yogourt. Ensuite... Là, c'est ça, moi, je suis allergique aux framboises, guys. Fait que... Oh, ils ont pris gâteau de fête, c'est mes préférés. Oh, il y a des bonnes choses. Oh, miam. On va avoir soif. Soif. Moi, il faut tellement que je bois quand je mange, là. Faut tellement que je suis pas capable de. Ah! De rien! Ça fait plaisir! Ça fait plaisir! Ça fait plaisir! Parfait! Vous auriez dû en prendre plus? Ouais. Non, c'est ça! Ah bon, ouais, c'est ça! Waouh, c'est le fun oh ça! Oh my god! Ah, oh, c'est bien fin! Hey, c'est donc bien gentil! Oh, il était tout content! Ben oui! Oh, je suis touché! C'est fin! Ah, c'est le fun! McDo? On va aller au McDo! McDo. Là, faut que tu dises en rentrant que tu payes pour tout le monde en arrière. Il y a toujours plein de monde à ce McDo-là. On a vraiment fait exprès pour choisir un McDo qui a tout le temps plein de monde. Ben, ça va aller mieux pour avoir une commande déjà faite pour nous puis payer pour d'autres. Je me demande, hey, j'ai tellement faim, ça va. Moi aussi, j'ai faim. T'imagines-tu qu'ils prennent genre tout ce que t'aimes pas? Ben, j'ai tellement faim. Tu vas pas le manger pour vrai. Mais là, la question, moi, ma question dans ce challenge-là, c'est maintenant, moi, je prends jamais de tomates, puis d'oignons, et de cornichons, dans mes hamburgers, mettons. Mais là, j'ai-tu le droit de les enlever ou faut que je le mange de même à cause que faut que je mange qu'est-ce que le monde a commandé? Ben non, je peux l'enlever. Ça fait partie des règlements, ça? Ouais. Ben non. T'as dit. Je peux l'enlever. Non. Je sais pas si je vais être capable de manger une tomate. Un cornichon. Moi, je suis genre, donne-moi tes cornichons. Je suis capable de ces cornichons, c'est tellement bon. Moi, ouais, mais toi, par exemple, si c'est de la grosse viande, oh, un Big Dieu. Mac, double viande, paquet de viande, tu seras pas capable. Non. Tu manges. C'est les règlements. Ah. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui arrive là. Excellent. Go. Il y a plein de choses. Allez, va. Yes. Bon, là, ça. Encore deux personnes dans un camion noir. Mitsubishi. Ouais, ça prend. Ça va être des trios en masse, on va de la bouffe en masse. Ah ouais, je suis occupé. Ouais. Puis il y a un char en arrière. Yes! Il y a plein de monde qui s'en vient. Regarde, c'est un petit peu long, là. Ça veut dire qu'il y a du stock à dire, là. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Moi, je dis que là-dedans, il y a peut-être même une poutine. Oui, c'est ça, je m'en allais dire. Une poutine. Ouais, il y a une poutine. Pitié. Puis... Oh, ou. Mes chèques aux fraises ou crème glacée. Non, il n'y a pas mes chèques aux fraises. Pitié. Non, mais ça serait le fun. Oui, bonjour. Je vais. Dans le fond, je vais prendre la même commande que la personne qui vient de passer devant moi, mais je vais pas savoir c'est quoi. De chips? Non, je veux pas savoir. Je veux pas savoir qu'est-ce qu'ils ont commandé. Je vais prendre la même chose qu'eux, ceux qui ont commandé juste avant moi. OK? Oui. OK, fait que ça va être ça. Je vais prendre le camion noir qui vient de y aller. Je vais prendre la même chose qu'eux. Parfait, merci. 19,60. Oh, 19,60, c'est bon. Hein? Il y a de la bouffe en masse. Hop, il marche bien loin. Ok, puis là, je vais. Parce qu'on se sent généreux, on va payer pour tous ceux qui ont commandé. Tous ceux qui ont commandé en arrière de nous, on paye pour eux autres. Allô? Bonjour. Allô? Yes. Oui, on va payer pour tout le monde en arrière. Tout le monde, c'est qui ça? Ceux qui ont commandé.
ceux qui ont commandé à date. Hein. Ok, 25, 3 cheese avec sauce à Big Mac. Ok, puis il n'y a pas juste ça? Non, ben là, c'est parce que c'est des chars. Ok, ouais, fait des factures, faut qu'il y aille. Ok, on commence un par un, ok. Ouais, okay. Bon, faut que je paye là, okay. faut que je paye là. Ouais, ben moi, je prends pas la bouffe, ils apprendront eux autres. Vous êtes gentil? Ben oui, non, on est. C'est même pas pour moi, là, c'est pour eux, là. Ben oui. Je vous trouve vraiment gentil. Ça nous fait plaisir. On a su qu'elle était enceinte hier, puis on s'est dit, on va célébrer 2,30 $ pour deux cornets. Ah, bon. Je savais qu'il y avait là. C'est avec Gachoué, parce que là, moi, quand je suis capable de faire rappel, ça veut dire qu'on a atteint le quota. Ok. On devrait s'en venir bientôt. Parfait. Hein? Hey, vous êtes donc bien hot. Ben, bon. Bonne fin de journée. Ventura, famille Ventura. Famille Ventura. Ventura, je vais rechecker ça. Merci. Non, bonne journée. Bye. Bye. Il est donc bien hot, le gars. Oh my god. J'ai pas de la commande. C'est donc bien fun. Les gars, est-ce que vous faites ça? À chaque fois, voyons, je parle à voix. À chaque fois, genre, j'ai le sourire qui va jusqu'aux oreilles. Ouais, genre, ma femme, il était super content pour tout le monde. Hein? C'est quoi qu'on a plus? Ah oui, c'est vrai, on sait pas. Je me demandais, c'est quoi qu'on a compris? Je me demandais la première attente, j'en ai trop plus. Merci beaucoup. Parfait, merci. Je suis full énervé de donner. Moi aussi. Le gars derrière nous a envoyé la main, tout content. Et j'ai chaud. La première, ouais. J'ai chaud, là. Merci, puis bonne chance. Merci. Bye. Ça fait plaisir. Hey, non, mais tu sais pas comment ça me fait plaisir, là. Ouais. Ben, c'est vraiment le fun. C'est fou. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci. Ah, merci. Et moi, les gens. Hein? Félicitations. Félicitations pour le bébé. Ah. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Salut. Merci. Ah, et en plus, c'est un Bigfoot. Hein? Wow. Hey, mais t'as-tu vu comment ça fait? Hey, le monde est reconnaissant. Je suis tellement content de voir le monde, comment ils sont contents. Oh my god! C'est fou! Ça vient pas! Boy! Faire ça pour quand? C'est juste pour quand? Hein? Wow. J'ai le droit à un show de Bigfoot. Mais non, mais comment? Qu'est-ce qu'on a commandé? Ben là, t'as ça à date. T'aimes la cave glacée? C'est à quoi? Oh! Ça fait longtemps que je voulais l'essayer! C'est quoi? Avec tout ça, j'ai oublié de dire qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu un McFlurry Nanaimo. Nanaimo, c'est quoi ça? C'est quoi du Nanaimo? Je sais pas, mais j'ai entendu toute ma jeunesse mon père dire qu'il aimait ça. Ton père, il aime le Nanaimo? Je sais pas. Pourquoi? Ah! Mmh. Ouais! Moi, ça reste Oreo. Moi, j'aime ça. Les petits goûts de la fin, pas sûr. Ah, moi, j'aime ça. Bon, Oreo, là. Ben, j'ai soif. C'est de la crème glacée. Ouais. Moi, toi, la crème glacée, c'est à chaque fois. Chaque fois, je suis enceinte, là. Puis là, en plus, à cette heure, on a Uber Eats. Pour la dernière grossesse, t'avais pas ça, Uber Eats. Là. Ben, c'est bon pour moi. J'aurais pas besoin d'aller à 11h30 chez McDo minuit. Ça m'aurait fait plaisir, par là. Si jamais tu veux quelque chose qui est pas sur Uber Eats, je vais aller te chercher. Ouais, c'est ça. Merci! Bonne journée! Salut! Ouh! C'est quoi? Ok, ouh! Oh! Non! Des cheeseburgers! C'est donc bien chanceuse! Plein de cheeseburgers! C'est mon craving! Bon, c'est quoi l'autre part? J'emmène trop énervé. On va mettre des commandes qui ressemblent pas à nous. Plein de petits cheeseburgers! Plein! Un burger fromage ajout de sauce mac sans oignon. Junior poulet ajout de sauce. Ok. Hein, c'est spécial! Un burger fromage ajout de sauce mac. C'est quoi ajout de sauce mac? Ça doit être Big Mac? Et? Oh, on l'avait donné, je le savais. Je le voyais son truc. Un junior au poulet. T'es-tu chanceuse? Oh my god. Non, c'est toi qui aimes ça. C'est moi qui aime ça. Ça va être parfait. C'est donc bien parfait. Wouhou. Ben, tu sais, faut dire, chez McDo, il y avait des bonnes chances qu'on aime ça. Ah oui, c'est ça, c'est de la sauce à Big Mac. Ah, Big Mac. J'espère que l'éclairage va être bon. Ouais. Je pense que oui. Hey, je suis assez content. Ouais, c'est ça. Comme je disais, chez McDo. Pas sûr, pendant le goût. Chez McDo, c'est tellement bon. Tout est bon.
C'est bon. C'est bon. Il m'envoie plein de sauce partout. Attends, mais on n'a rien eu à boire encore? On n'a rien eu à boire. Attends. Ok, fait que c'est ça. Le Starbucks, on n'a pas beaucoup de Starbucks à Trois-Rivières. Il y en a un avec le service à l'auto, puis il n'y a personne qui va au service à l'auto. Fait que ça se peut qu'on ne paye pas à personne en arrière. Puis, bonjour, bienvenue chez Starbucks. Je pense que oui, dans le fond, je vais prendre la même chose que ceux qui viennent de passer. Quand vous voulez avoir un... Non, je ne veux pas le savoir. C'est une surprise. Je ne veux pas le savoir. Là. Ouais, parfait. Je le coupe. Comment ça me dit? T'as entendu? T'as entendu c'était quoi? Non, j'ai pas entendu c'était quoi. C'est peut-être voir quelqu'un en arrière, mais c'est tranquille ce Starbucks là. Il était deux en avant. Il était deux, madame puis monsieur. Deux breuvages, c'est sûr. Ce Starbucks est spécial. Parce que c'est beaucoup personnalisé. Ouais. Fait que là. Puis moi, je suis pas piqué dans la nourriture, mais dans les breuvages. C'est vrai que dans les breuvages, j'étais vraiment piqué. Piqué, là, plus genre mon café, il y a un peu trop de crème, mettons. Non. Je ne suis pas capable de prendre. Tu vas le verser dans le fond du. Non, genre. L'évier. C'est quasiment gênant, là. Non, je sais, puis ça arrive souvent qu'on va chez Tim, chez McDo, puis on revient parce que le café n'était pas. Mais c'est correct. Non, mais c'est correct. Il faut que t'aimes ce que. Non, mais. Moi, je regarde voir s'il y a du monde en arrière. Moi aussi, j'arrête pas de regarder, mais. On a attendu 10 minutes avant qu'il y ait quelqu'un pour pouvoir faire le challenge. Ah, j'ai vu un breuvage blanc. Ah, faut pas regarder. Ben non, pas de deviner là. Mais je sais même pas. Oh mon dieu! Je sais pas s'il y avait quelqu'un qui s'en est. Salut! Ouais, tu as payé. Ouais. Je voulais te dire parce que la dernière fois, la personne est arrivée à la fin et elle ne sait pas ce qu'elle voulait en fin de compte. Fait qu'elle... Ok. Ah, ok. C'est pas grave. Non, c'est correct. Je comprends la trend. C'est le fun. Ouais, c'est très, ouais. Des trucs, mais c'est pour ça qu'on allait vous dire. Non, c'est bon. Ouais, non, c'est ok. J'étais comme coupé, mais je voulais pas le savoir. En plus, je mettais la main sur le speaker. Ce que vous voulez savoir, c'est quoi? Si vous aimez ça pour le commander ben, là. Ben là, oui, ouais. C'est un cappuccino à la vanille sans café. Oh, merde. Ah, c'est bon. Juste ça, par exemple? Simplement. Ils ont juste commandé ça? Juste ça. Je peux-tu prendre deux fois? Ouais. On va en prendre deux. Ok, vous avez la deuxième? Ouais, parce que là, je veux. On triche. Ben, j'ai soif, là. J'ai comme pas tant triché. On va goûter en même temps, ok? Dans le challenge. J'ai préparé. J'ai comme augmenté la quantité. Ouais. Vous nous direz si vous trouvez que c'est de la triche. On le refera si c'était de la triche. On n'aura pas le choix de le refaire. Moi, je pense qu'on va le refaire. On essaiera de trouver des trucs différents. J'espère que vous allez être nombreux à commenter de le refaire. Ah oui! Puis laissez-nous en commentaire 3 restos qu'on devrait aller. Merci. Bonne journée. OK. Laissez-nous en commentaire 3 restos qu'on devrait aller. Au pire, on ira à Montréal. C'est 3 heures, on n'a pas tant de choix. Non. Puis si on n'a pas assez de choix, on ira à Montréal. C'est ça. Puis on aura encore plus de monde. On va pouvoir payer encore plus la traite à tout le monde. On goûte? Ouais, j'ai hâte de le savoir. Ça, c'est le fun. Parce que tu sais, Starbucks, t'aurais jamais allé dans quelque chose que tu connais pas. C'est ça. Alors, on goûte en même temps? OK. C'est vraiment bon. Oh my god! My god! Oh my god, c'est donc ben bon! Mais c'est un dessert! Y'a pas de caféine mais en pas plus! Pas trop sucré! Mais quel look pas que trop j'ai sucré, eu. Juste assez! Ça tombe pas sur le cœur! Ok. Hey, quand tu voyais, quand on donne aux autres, on finit par recevoir. Pas de caféine. Vanille, t'adores ouais, la vanille. Récompensé. Froid. Hein? Hein? Quand on donne, ça nous retombe toujours dessus. Putain. Regarde. Puis en plus, sans savoir que ça goûte, j'ai dit j'en avais deux. Je vous le dis, guys. Oh my god. C'est une loi de l'univers, c'est une loi physique. Quand on donne. C'est bon, hein? Ça n'a même pas d'allure. Ce que je commande d'habitude chez Starbucks, c'est même pas aussi bon que ça. Non. C'est bon. On dirait une genre de. Ah, ça va être mon nouveau craving. Ouais, c'est ça. Moi, tu rappelles-toi ça. Je me rappelle déjà plus c'était quoi. Un frappuccino. Glacé à la vanille. Glacé. Ouais. À vanille. Ouais. Sans caféine. Je sais même plus c'est quoi un frappuccino. C'est genre du lait frappé. Mêlé d'un cappuccino expresso. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'aurais aimé ça que ça dure plus longtemps, sincèrement. Là, parce on va que c'était vraiment cool. Mais
on va le refaire. Mais je pense... Si vous trouvez que ça a été une vidéo vraiment cool, puis que vous avez aimé ça, regardez ça, que ça vous a diverti, puis tout ça, laissez-nous en commentaire, comme je vous ai dit, trois autres restaurants qu'on devrait aller faire la même chose, faire une partie 2 à cette vidéo-là, parce que pour vrai, c'était vraiment le fun à donner. Là. N'oubliez pas de vous abonner, Alors, on vous aime beaucoup. On a hâte de vous voir dans une vidéo hyper, hyper bientôt. Demain. Ah! Et sur ce, bonne fin de journée, bon début de journée ou on vous souhaite une belle journée. Bye. Bye. Bye.